Bon, allez! Blase aux choses sérieuses. Alors, on va vous ajouter quand même le chat, hein, qui c'était... pas du tout, pas du tout! Mais tu vas mourir! Merci. Alors, on doit ajouter le chat. Effectivement, on va vous mettre le chat. Ça, vous allez bien pouvoir tout voir. Parce que comme ça, vous pourrez continuer à dire des bêtises sans que je ne vous voie. Rally Red, pas trop fan. Justement, Michelin aimerait revenir en F1 avec du 18 pouces. Arrêtez avec le running. Plutôt Renault Koleos ou Fiat Multipla. Ah, j'en déduis que Top Gear a encore fait des ravages ce soir. Bon, allez, on va vous mettre ça. Voilà. Il y a des questions qui passent sur le chat, j'ose même pas regarder. Bon, l'heure est grave. Fin de la pseudo FAQ libre antenne. Alors. Ça va, le chat s'est calmé. Tout va bien. Alors, vous avez ma tête, hein, ici. Voilà. En dessous, vous avez donc le chat. Et en dessous, vous avez les liens YouTube. Si vous voulez vous abonner, me suivre, follow, pas de problème. On est presque à 1000 sur Facebook, c'est formidable. Et on est presque à 6800 sur YouTube. Bon, assez tôt Corsa. Azzedo Corsa. On va lancer la bête. Rends l'argent aux abonnés. Mais j'aimerais bien déjà en avoir à rendre aux abonnés. Juist ou Paris-Marseille Racing? Juist, j'ai adoré Juist. À quand une coupe YouTube où Maxou affronte Wallstar, Franconel, un J038, Tigoudé, etc. Bah écoutez, appelez, demandez à Nvidia ou à n'importe quel, à l'ESL ou à une société d'organiser ça, moi j'y participe avec plaisir. Je me ferai battre, je me suis fait battre par Julien Febro. Rendez-vous compte. Maxime, puis jette modo. Je pense que Maxime mériterait d'être modo, mais malheureusement, Maxime, des fois, il est un petit peu border. Hein. Il est un petit peu border. Bon, alors, on va dire, oh, c'est génial, bah, c'est à dire, on va aller donc sur le multijoueur. Oui, je suis d'accord, de toute façon, qui lit ses licences. Bon, est-ce que c'est de Corsa est un beau jeu de simulation? Oui. Meilleur pour Trustmaster, 588XX. Maxime, as-tu déjà... Et déjà le comique officiel du chat. Oui. Il a pas honte de se faire battre par Julien Febro. Bah non. Le volant marchait mal. Et c'est vrai, j'avais... Rendez-vous compte, quand j'ai roulé contre Julien, j'avais ça de zone morte sur le volant. Et alors, je vous dis pas, les chicanes dans les Unodières, un bonheur. Mais bon. Il méritait de gagner, pas de problème, il a été meilleur. Et ouais. T'as été ban par Julien... Non, battu, pas banni. De toute façon, vous allez pouvoir revoir la finale de la Coupe de France F1 2015 que j'ai commenté avec Julien Febro comme pilote d'ici quelques semaines. Ça va être top. Bon, alors. Go la course. Mais calmez-vous. Vous êtes excité ce soir. Bon. Alors, il y a des... Il y a des sessions qui vont être ouvertes. D'accord. Donc, je vais vous montrer. Je vais quand même faire un truc vachement à l'arrache, mais comme ça, vous allez bien voir. C'est le launcher d'Aceto. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Mon petit. Et il ne s'affiche pas. Formidable. Le launcher d'Aceto ne s'affiche pas. Ah, voilà. Bon, écoutez, je vais disparaître. Ah, voilà. Bon, vous allez voir à peu près la liste des sessions. Et on va en prendre une et on va s'y retrouver, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, par contre, le ping, va falloir faire quelque chose, les enfants, parce que là, ça risque de pas être possible. De la Lotus 49 à Spa. Non... Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a? Restons calmes, messieurs, dames. Ne cédez pas à la panique. Bon, je pense que j'ai vu un truc qui peut être pas mal. Alors, il y a une session. On y est, allez, on y est presque. Où est-elle? Et je l'ai là, hein, je l'ai juste au-dessus.
Il reste 42 minutes. Alors le problème, c'est qu'il va falloir trouver une session où on peut déjà rouler et que c'est déjà commencé. C'est toujours le souci. Donc on est sur beerbuden.de5. Alors il y a 24 places, on a 32 de ping et on est du côté de Monza. Donc beerbuden5. À vous de jouer, messieurs. Zedam. Ah, formidable ça, le. Ah, ça aurait été un montage parfait ce soir. On aura fait du très très gros. Sincèrement, là. Voilà. Beer. Ah, le programme ne répond pas. Oh mon dieu, j'espère que vous n'avez pas fait péter. Je ne sais pas combien vous êtes à arriver, mais si vous êtes 20 à arriver d'un coup. Et le programme ne répond pas. Quel dommage! Et c'est donc une mauvaise tentative. On va réessayer. Des avis sur le casque d'Hülkenberg cette année. J'adore. Project Car ce soir. Oui. Si tout va bien, vers minuit, 1h. Ah oui, je vous avais dit que ça allait être un stream. La nuit des abonnés. On va pas finir à 22h, les enfants. Alors, est-ce qu'on peut accéder à Assetto Corsa? Nous y sommes. Alors, il y a Evan Marion. Anthony là. Donc, le nom de la session. Ah, Wolfie, salut. Et il y a des pseudos qu'on reconnaît, évidemment. Donc, on est parti. 8 minutes de qualification. On est du côté de Monza. Et après, on va pouvoir aller. Aller se faire plaisir. Et alors, on compte sur vous pour ne pas me bourrer dedans. Alors, si vous me focus et que vous me mettez dehors, eh bien, on quittera le jeu. Donc voilà, restez. Oh mon dieu, cette arme co m'a fait très peur. Restez zen, hein? Alors. Oh là, comme tu t'emballes, mon ami. Alors, est-ce qu'avec le bruit du moteur, vous m'entendez bien? Ça va? Dites-moi si le moteur sature ou si vous m'entendez toujours correctement malgré le bruit du moteur. Je sais pas si choisir Monza a été la décision la plus judicieuse que j'ai prise de la soirée. Ah, et j'ai pas mes boutons périphériques de sélectionner, ça va être un bonheur. Alors, j'ai plus touché à Assetto Corsa depuis un bout de temps. Il va falloir se remettre dans le bain. Ce qui est génial, c'est qu'il faudrait que Maxime, sur le chat, Maxime Monet, nous tienne un registre de toutes les phrases que j'ai pu dire à tendance. Vraiment salace parce que c'est très drôle. Vous m'entendez? Formidable, je ne dois pas hurler à la mort. Quelle qualité de streaming. Voilà, c'est Der Biden Point Deutschland 5. Fais-nous une Maldonado. Oh, je pense qu'elle va arriver toute seule, la Maldonado. J'ai hâte de voir le premier virage, oui. C'est bizarre, tu pilotes près du volant. Alors, c'est peut-être l'effet de la webcam qui donne ça, hein.
Mais j'ai toujours piloté très près de mon volant. J'ai pas le bras tendu en fait. Parce qu'il y a un petit souci, c'est que j'ai pas le format d'un gamin de 10 ans. Donc effectivement... Alors je vais essayer de vous mettre... Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce premier tour est catastrophique parce que je suis en train de gérer à côté. Parce que je me dis que j'ai mis une option en bas que vous ne voyez pas. Donc ça ne sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais stopper, évidemment. Parce que j'ai tous les droits, c'est mon serveur. Pas du tout. Je vais vous donner en fait les informations qui pourraient vous être utiles que j'avais retirées en faisant le mode à la mode. Donc la carte du circuit. Voilà. Donc là avec la carte du circuit, vous voyez le business. Le temps de la séance. Voilà, comme ça vous avez ça aussi comme info. Et ce qui serait bien, c'est que je puisse vous mettre aussi le classement en fait. Je crois que c'est ça. Voilà. Et voilà. Normalement comme ça, c'est parfait. Oui, je suis en 458. La position idéale pour les bras, c'est avec un angle entre 90 et 120 degrés. Donc t'es bon. Moi, je suis à 90, peut-être même un peu moins. Oh là là, je me rends compte que j'ai pas à la bonne vitesse, donc évidemment, j'ai failli broyer le moulin de la Ferrari. Ah, on voit pas le classement à cause de la lune. C'est leur moon a encore frappé. Voilà. Et il me reste 4 litres, donc je vais pas aller loin. J'ai failli gêner quelqu'un. Je m'en serais voulu. On va voter mon placement à cause du carré lunaire. Oui, mais voilà, moi, là, maintenant, vous le voyez. Bon. Faut que je reparte avec ça. Parce que là, ce n'est pas possible. Non. J'ai dit de la merde. Comme souvent d'ailleurs. Bon, il nous reste 2 minutes, donc c'est mort. On pourra pas faire de qualif. Donc, ah, mais ça va, il y a du monde en fait. Vous êtes 14. Ça va, sympa. Vous voyez, il faut même pas mettre de poste ou quoi. Vous arrivez classique, quoi. C'est formidable. C'est formidable. On va attendre la fin de la qualif. Hein. Si vous voulez discuter, c'est le moment. Assez tôt sur PS4, une bonne nouvelle. Pourquoi ça en serait une mauvaise? Ah, bah Zoltan qui a récupéré une position dans le... Un slot dans la course, c'est pas mal. T'es un pro des réglages, ça va. Maxo, as-tu une vidéo YouTube à conseiller pour s'améliorer en setup? Oui, celle de Wallstark, qui a fait une vidéo setup pour Project Cars, et il y a de très bonnes choses. Que penses-tu du volant F1 add-on? Bah, c'est très bien pour la monoplace. Le problème, c'est que ça sert qu'à la monoplace, c'est impilotable pour le reste. Est-ce que GTNF Maximus est dans le salon? Possible. Ah, il y a M4 qui est là. Je sais pas, on est 14 pour l'instant. Il reste 40 secondes de qualif. C'est quoi ton volant Trustmaster T300RS? Pourquoi tu n'as pas fait le live demain? J'aurais eu les meilleures connexions, vive les hôtels. Bah écoute, navré, j'aurais su, je t'aurais téléphoné, Maxime. Et t'as la voiture, elle consomme pour rien. Et oui, le roleplay, évidemment. Ton évolution au niveau de la manière de jouer au jeu de course, manette volant. Je comprends pas la question. Allez.
On va pouvoir y aller. Je sais pas si vous voyez en fait, avec la partie en noir, là vous voyez mieux. Ouais. Allez, fin de session. La pollution, évidemment. Ah bah on va être 14. Bon les gars, faites gaffe. Hein. Ah, tu as commencé par quoi? C'est plus clair sur ce point. J'ai commencé par donc, en vrai jeu de simu Grand Prix Légende, GTR 1, GTR 2, Richard Burns Rally, et puis voilà, on a enchaîné avec Air Factor et tout le reste. Une Liu Zi 2011 au premier virage, possible. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'on va pouvoir le finir? Alors, on va partir pour 5 tours. On va mettre 20 litres, ça devrait aller, hein. Petite dédicace à Zerator, effectivement. Maldonado au premier virage. Aïe aïe aïe! Génial. Bon, au niveau des chronos, ça donne quoi là? Allez, go là, elle est finie la qualif. Ah, il faut que tout le monde termine son tour, donc j'aurais pu refaire un tour qualif. Dommage. La VOD sera disponible quand? Je l'espère une partie fin de semaine et la suite début de semaine prochaine. Au cas où il y a un problème. Mais normalement, vous allez avoir une partie. Une partie jeudi et vendredi et le reste lundi et mardi. On verra. Alors, on ne va pas skip la session, évidemment. Vous vous en doutez bien. Merci de répondre à toutes mes questions. C'est normal, je suis là pour ça aussi. Flat out dans une minute. Allez. On va lancer la magie. Du streaming dans quelques instants. Pourquoi tu ne crées pas ta partie multi? Parce que il faut ouvrir ses ports. Allez, c'est parti. Et finalement, nous sommes 15. Ça va, ça va. Attention. Doucement, c'est passé. Bravo les gars, c'était propre. Il y a une chicane secondaire. Oui, c'est moi. Pluie de Corvette. Drapeau jaune à la deuxième chicane. Alors s'il y a des gens du live dans la session, ils sont en train de piloter, donc ils pourront pas répondre. Allez, Ascari, un petit ménage qui est fait. Que la force soit avec toi. On va tout faire pour. Je suis étonné de tenir aussi bien les Corvettes avec leur moteur, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Bon ça va, ça s'est bien passé hein.
On n'est pas passé loin. On n'est vraiment pas passé loin. C'était tendu, ça. Eh non, il n'y a pas eu de Maldonado. J'aurais tellement pu raccourcir ma 5 et ma 6. D'ailleurs, tant que je vous tiens, si vous voulez vous inscrire pour la manche de Burno, pour la 320 TCK, vous pouvez encore. Hein. Il y a encore une session organisée ce week-end par Max, qui lui est célibataire. Donc, il y a de PLM Docteur qui s'occupera de vous. Allez voir sur la page BMW 320 TC by Pitlane Motorsport sur Facebook. Et moi, je suis en train de perdre mes pneus parce que je suis en super soft et je suis pas repassé en soft. Et je suis en train de le payer cher, je pense. La maltraitance de la Ferrari dans la chicane 1. Ouais, c'est juste. Alors, on est P4. On n'arrive pas à tenir les garçons devant. Qui ont leur niveau. Ça tourne bien devant. Elle coûte cher les erreurs avec les corvettes, en effet. Oui. Tu ne te trompes pas. Voilà, mais c'est vrai que là je lui fais vraiment prendre très cher là sur le vibreur. Allez, on a passé la mi-course bientôt. Voilà, je suis encore trop tendre. Je suis encore trop tendre avec la voiture là. Oui, sur l'amortisseur, pas le vibreur évidemment. Va falloir arrêter avec ça les gars. Vous, ça vous fait rire, mais... Ah, drapeau jaune devant. Ce fut bref. Je pense que c'est plus un souci de serveur qu'autre chose. Et on a 44 de ping. Ça va, hein? Ah, attention, pas de spoil, hein, attention. Par contre, le pied de podium va être très dur à tenir avec le garçon derrière qui revient. Beaucoup trop. En fait, je suis pas à l'aise sur les freins. Ah, les freinages loupés. Je peux pas louper un freinage en fait, c'est dramatique, ça c'est vraiment mal foutu quoi. Donc tu loupes un freinage, tu t'écartes, lui il dit ah piste coupée, et derrière tu te reprends encore une pénalité qui est dégueulasse d'ailleurs hein.
Et en fait, j'ai les pneus super soft et là, ils sont complètement morts en fait. C'est encore ça, encore frappé. Et ouais! Ça, c'est dommage. Drapeau blanc. Ah, dommage que Sigmagram ne soit pas là parce qu'il aurait hurlé sur le chat en caps lock comme il avait fait à l'époque pour Forza. Mais il est trop prononcé ce vibreur, c'est fou. Je sais pas, en tout cas j'ai raté mon freinage. Tout simplement. Et je refais la même. Non mais c'est horrible. C'est... Regardez la pénalité, elle est horrible hein. La pénalité, elle est dégueulasse, quoi. J'ai même jusqu'en deuxième à Ascari pour être sûr de pas sortir quoi. Alors je peux rentrer en 3 facile quoi. Le prochain jeu ce sera Project Cars. Presque aussi cohérent que les pénalités en F1, pas faux. On ne dit rien. On ne dit rien. La nullité. Bon allez. À part les freinages, t'avais plutôt assuré. Ouais, bah, tu diras ça, système de pénalité M4. Quel diplôme pour lire le chat et conduire en même temps? J'ai pas le diplôme, mais c'est vachement compliqué, en tout cas. Bon, bah, félicitations au vainqueur, qui n'a pas la chance d'avoir son nom affiché. Malheureusement. T'as toujours pas reçu ton pommeau. Bonne nuit Maxime. Ah ben Mixiolo, ça va bien. Ouais. Mais malheureusement, je suis en sang après ce qui s'est passé. Bon, alors. Bim. Le Loncher. Alors. Ce serait bien d'avoir autre chose. Ce serait bien d'avoir autre chose. La Formula Bart à Imola, MDR. De la Lotus 98T à Spa, on va éviter. Alors. Non mais les mecs ils mettent 50 minutes de TC, 50 minutes d'essai pour du TC, ils sont fous quoi. Le
Merci pour le micro. Voilà, les pénalités, tout ça, comme nous dit Zoltan, effectivement. Bon, à qu'est-ce qu'on a? Parce que bon, si on est 15, on s'en fiche un petit peu du nombre de machin. Par contre, le ping est en pleine décédence. Ce n'est pas français, je le sais, FDR. Alors. Oh là, le jeu, il rame du fion, mais qu'est-ce qui se passe? Non? Non, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait voir le chat sans que ça. Sans que ça. Mais je clique sur un truc, qu'est-ce qui. Nous allons vous demander un instant de patience. On va relancer le jeu parce qu'il a décidé. Voilà. C'est le petit homme de la F1 qui donne les pénalités. Ça doit être le même vu comment elles sont organisées. Formula Bar peut être bien. Oui, on a un bon souvenir avec la Formula Bar en direct. Max, où tu vas changer quoi dans ta config? Processeur, carte mère, RAM, micro, éclairage. Il y a encore des choses qui doivent arriver, mais merci Amazon. Bon, pas du tout. Nous voulons du pilotage. Et je me suis dit, c'est bien, ça fait une demi-heure. Avec une autre course d'une demi-heure, ça fait une VOD d'1 heure, c'est parfait, mais ça peut pas marcher, évidemment. En ligne, comme disait si bien Patton. On va re-switcher. Voilà, comme ça vous avez la liste. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme truc de type sympathique? Il n'y a que de la qualif. Ah, il y a de la Ferrari F2002, mais je vais pas prendre des modes parce que ce serait dommage que vous n'ayez pas les modes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Lady Killers 9. Il n'est pas verrouillé. Il n'est pas verrouillé. Lady Killers 9, Vallelunga, Formula Bart. Il reste 7 minutes de qualif. Lady Killers, vous l'avez vu. Eh ben ça va. Donc Lady Killers 09. À vous de jouer. On formule à Tatus, évidemment. Et comme c'est un stream professionnel, on boit parce qu'on n'a pas de respect. Eh, moi, je signe pas un contrat pour un emprunt de 10 ans. Arrêtez avec vos messages, les amis, là. Bon. Écoutez, moi, hein. Je vais pas m'embêter la vie. Est-ce que du fait t'es rendu sur le même PC que tu streams? Oui! Maxou, as-tu lu les Michel Vaillant? Effectivement, j'ai lu pas tous, surtout les derniers qui sont catastrophiques à mes yeux. Mais oui, j'ai lu beaucoup de Michel Vaillant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je n'y ai plus joué depuis un bout de temps. Mais cette formule à Barthes fait un bruit bien différent d'à l'époque. Ah bah oui, voilà, lis le chat, Max. Lis le chat. Visiblement, je suis pas le seul à avoir du mal. Tu préfères des streams sur Xbox One? Oui!
vous aurez mon let's play de Peggle 2 bientôt en exclusivité. Ah, le blocage des roues, ça va être un enfer. Oh, très joli. Alors, je sais pas si c'est du sarcasme, mais il a bien changé le circuit d'Imola. Ce n'est pas Imola. C'est bien évidemment Vallelunga. Drapeau jaune. Non ! Reviens ! Reviens ! Petite coquine. Dommage. Quoi, les derniers Michel Vaillant, pas terrible? Pas d'accord. Ah bah si. Si, si. Parce que pour moi, Michel Vaillant est mort avant la deuxième génération qui est sortie il y a quoi? Il y a un an ou deux, les deux premiers, là. J'ai détesté. Michel Vaillant qui devient infidèle, son frère devient dépressif. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, il a un fils caché. Enfin, please. C'est une Zotac, ma GTX. Est-ce que tu connais les circuits par cœur? Bah, quand je suis concentré, ça va. Quand je ne suis pas concentré, moins bien. Mais globalement, j'en connais pas mal, effectivement. La Formula Abarth, c'est de la 2 litres. Ouais, c'est ça. En gros, c'est de la 2 litres. J'allais dire de la 1600, j'ai hésité, mais non, c'est bien de la 2 litres. Le 13 est au départ, oui, mais c'est... Moi, j'ai adoré les grands Michel Vaillant, je les adore. Le pilote sans visage, le caïd de Francorchamps, je pourrais... Je vais pas tous te les citer, mais il y en a beaucoup que j'adore. Moi, j'ai adoré... Ah ! Une virilité, ce cri, incroyable. J'aimerais bien la faire patiner et repartir, surtout. Parce qu'il va rester 2 minutes, donc je vais pouvoir faire un chrono. Oh, c'est catastrophique. Bordel, est-ce que tu veux bien rentrer dedans ? Merci. Je faisais du second degré. D'accord, ok. Autant pour moi. C'est dur de... En fait, c'est dur de tenir une conversation avec ça à côté, hein. Rendez-vous compte. Toujours hésité à acheter Michel Vaillant. Bah, je te conseille d'aller dans des petites librairies ou même des caches converteurs où tu peux trouver d'anciennes BD. Et certains Michel Vaillant sont excellents. D'autres sont un petit peu plus adultes que vraiment la passion de la course. Ça traite de sujets de société de l'époque. Je vais faire un tour catastrophique, mais je vais essayer d'en faire au moins un. Le cri trop viril, effectivement. Lol, est-ce que tu veux bien rentrer dedans? Mais la boîte, là, ça rentre pas dedans. Salut, sans âme. Donc oui, moi j'ai des Michel Vaillant, il y a 300 à l'heure dans Paris qui est génial, il y a Dans l'enfer du safari, il y a Rush qui est génial, 5 filles dans la course, Défier des moteurs, il y en a vraiment des... Moi il y en a que j'adore. Bon, je pense que juste faire un chrono va me sauver. Qui m'a dit, est-ce que tu peux me décrire le circuit du Mans? Est-ce que je serais capable de faire de tête un circuit du Mans? Un tour du circuit du Mans, oui. Ligne droite descente, freinage de la chicane Dunlop, descente, les S, tertre rouge, première chicane Michelin, deuxième chicane, ça doit être Forza, mes couilles Mickey. Freinage de Mulsanne, le retour, Indianapolis, puis les S Porsche, chicane Ford et raccordement. Bon, on est 8ème, c'est catastrophique. Est-ce qu'on peut refaire un tour ou est-ce que la séance va se terminer et va se noircir? Petite nuit en solo. Non, on est en multijoueur, vous pouvez revenir. Hein. Vous pouvez aussi venir jouer avec nous. Après, on fera du Dirt Rally.
et du Project Cars. Ah, Formule 3000, Michel Vaillant, un très bon épisode aussi. Elles ont du mal de tomber, hein. Ah, mais j'ai oublié. Ouais, non, mais j'oublie toujours ici. Finito! Voilà. Bon, et on va sagement attendre la... C'était catastrophique. C'est Forza puis Michelin au Mans, c'est ça. Tablier Arnage, oui. Me conseilles-tu d'Earth Rally? Oui. Le film Michel Vaillant est génial. Vous me racontez quoi, là? Non, mais il est catastrophique, Michel Vaillant, Nicolas. Me dis pas que c'est un bon film. Please. Le Tour du Mans, les yeux bandés. S'il vous plaît. À une droite des unodires, bah oui, après Terre Rouge. Bah, je vous avais dit que j'allais faire n'importe quoi, mais je le... Évidemment, à tête reposée, c'est plus simple. Bon, on part mi-peloton, ça va être un carnage. Heureusement qu'il n'y a pas de chicane tout de suite. Ah, salut Mute. Arrête de détruire ma jeunesse, ça se fait pas. Comment te rejoindre? Ah bah, va falloir attendre la prochaine session. On prend des sessions ouvertes sur Assetto et vous me rejoignez. On fait ça après avec Pécard. Mais passe dedans! Horrible cette boîte de vitesse. Oh, ça va toucher. Ça va toucher et je pense qu'on va être dedans. Ça passe bien, hein. Max sous dans le mur. Et non, dommage. Oui, le proto qui s'arrête dans une station essence et qui a les mêmes performances pour faire la pole. Non mais arrêtez, quoi. Oh, ça m'est passé juste derrière. J'étais pas bien. Ah, j'ai essayé d'ouvrir un maximum, mais évidemment. T'as beau ouvrir un maximum, il y en a toujours qui vont y aller. Hein. Dommage. Moi, j'en étais pas mal. Heureusement, on n'a pas pris de pénalité. C'est fou ça. Ah. Et la modération qui vient de nous quitter. C'est ma faute. C'est ma faute. Et j'y vais, je le sais, j'y vais, hein. Non, il fait pas la pole, il se qualifie, mais c'est quand même limite, quoi. Bon. Formidable. Ah, il y a 12 tours. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah non, ça va pas le faire. J'avais lu 5 tours. C'est quoi ce bazar? Voilà pourquoi je fais pas
multijeu parce que c'est toujours le bordel en fait. Non, c'est pas un rush kit, c'est juste que j'avais pas prévu 13 tours en fait. Et 13 tours, c'est très long. À 2 minutes au tour, ça fait une demi-heure, rendez-vous compte. En fait, moi j'avais vu 5 tours en fait. C'est pour ça que c'est toujours le bazar quand je vais sur un. Ah oui, 12 tours. Ah ouais, d'accord, donc en fait il y a juste beaucoup trop de tours. Non, je peux pas faire une demi-heure de course là-dessus, je vais pas balader une demi-heure. En plus, si je commence à discuter, ça va pas le faire. Ça ne sera pas viable. J'aurais dû regarder avant, c'est ma faute. J'aurais dû regarder avant. Allez, 12 tours, ça fait une demi-heure de pilotage, quoi. Il y en a 10, quoi. Moi, je cherchais des tours de, voilà, 5-7 tours. Faudrait un système comme Air Factor 2 où on peut télécharger quoi. Vous savez, on télécharge ce qui nous manque, ça ce serait génial quoi. Dommage parce qu'on en a fait une qui était pas trop mal, même si j'ai. Ouais, 8 tours de spa, c'est trop long les gars. Ça qui est chiant. Ça qui est dommage. Ouais, 8 tours, c'est trop long, quoi. 8 tours. Peut essayer 8 tours. Enfin, c'est beaucoup trop long, en fait, 8 tours. C'est ça qui est difficile à appliquer. On devrait faire quelque chose de court, en fait. Mais chaque fois, on est à plus de 10 tours quasiment. Vous voyez, c'est trop long. Le film Grand Prix est trouvable en version longue, 3 heures même, mais il est très difficile. Faut se taper du torrent. Vous voyez, encore 10 tours. C'est ça que. Il y a un gros problème à ce niveau-là. C'est dommage, hein, ça concerne que les gens dans mon cas, mais. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir. Vous voyez, 12 tours, quoi. 8 tours d'Imola, à la limite. À la limite, 8 tours à Imola. Mais. On va essayer ça, éventuellement. Ah ouais, non, il n'y a même pas ces multisessions, ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Créer ton serveur. Mais je peux pas, je dois ouvrir mes ports, c'est tellement mal fait, j'ai l'impression de faire une game de StarCraft, enfin. Enfin, j'ai l'impression de jouer à un jeu d'il y a 15 ans, quoi. C'est tellement mal fait, quoi. 10 tours au Mugello. Ouais, il y a que ça, en fait. 6 tours à Monza. Ça, c'est vraiment un gros problème du côté d'Assetto, quoi. C'est trop long. On va essayer ça. 7 tours à Imola. En GT2. Alors. La session s'appelle Kunos 005. Oui, je sais, mais il y a des serveurs de base d'Assetto. Bon, écoute.
Ouais, on va essayer avec du... Ouais. Vous avez... J'espère que vous avez eu l'occasion de voir. Non, bien sûr que non. Vous allez avoir le nom de la session qui va s'afficher, je pense. Des coupures ainsi de plusieurs dizaines de minutes pour trouver une session un peu plus courte finalement. Après, je comprends, c'est cool d'avoir le temps. Moi, j'aime bien des courses de 10, 15, 20, 50 tours. Et pour un stream, c'est pas top, quoi. C'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal. Le nom du serveur. Est-ce que je peux le trouver ici? Bien sûr que non, c'est tellement bien fait. Visiblement, on a l'air de trouver. Moi, je suis dans la McLaren. Mais rien que dans la McLaren, c'est un bordel. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les voitures du Dream Pack, hein. Vous pouvez piloter avec. Voilà, Kunos 005. Le nom des développeurs, Evidzama. Allez, go! Oh, le soleil! Voilà, celui qui se posait tout à l'heure la question, on y est à Imola. Il n'y a pas que les voitures du Dream Pack. Il y avait l'ancienne McLaren MP412C, elle est pas, elle fait pas partie du Dream Pack. Oui, la dernière fois on a eu droit à un drapeau noir ici, ouais. J'avais bien rage quit quasiment. Je pense que la McLaren bleue qui était à l'arrêt dans la chicane de Tamburello tout à l'heure, elle est mal. Ah, Imola avec des chicanes me dégoûte. Eh bien, tu n'es pas le seul. Salut, tu penses quoi de la série Gran Turismo? C'était une très bonne série jusqu'au deuxième épisode. Non, jusqu'au quatrième c'était correct, après c'est devenu quelque chose d'un peu moins bon, tout simplement. Vous voyez, ça passe, on est 13. Attention, attention! C'était tendu cette affaire.
Le silence d'un homme. Acqua minerali. Allez, on remonte. Non, je n'ai jamais piloté IRL des voitures aussi puissantes. Parce que j'en ai pas les moyens. Ni l'assurance. J'aurais dû le passer en 3 le dernier gauche, je suis bête. Non, on est en pôle MDR. On est en pôle et c'est terminé. Juste un truc que je devais vérifier, voilà, c'est le nombre de tours, et comme on en a 7 à faire, on va pouvoir mettre ça. Hop. Tu as payé 200 euros ton micro, c'est ça. J'ai une promotion, j'ai pu l'avoir à 169, mais voilà. Un vlog sur ta passion. Quel poney. Non, un blog. Alors, il y a le gros débat sur la chicane suite à ce qui s'est passé en 94, s'il vous plaît. Voilà. Tu es en Paul McCartney. Ouais. Maxou, le futur Stig. Ah, je crois pas, non. Ou alors, il va y avoir du budget pour la BBC. En effet, si seul Ratzenberger avait perdu la vie, on aurait peut-être pas eu les modifications qu'on a eues. C'est triste, mais c'est comme ça. La vraie, mais si je dois vous tenir la course, il faut mieux que j'ai la gorge hydratée. Bon, elle va finir cette qualif. Et nous sommes boutés hors du top 3. Par Maxime Batty et sa BMW Z4 que je n'ai pas prise pour changer un petit peu parce que sinon j'aime bien la Z4 Imola. Depuis quand tu dis 94? On dit 94. Eh oui, déformation professionnelle. Qui aimerais-tu voir remplacer Gaëtan Vigneron une fois qu'il partira? Bah sincèrement, j'ai personne en fait. Il y a personne, je pense. De jeunes qui pourraient remplacer Vigneron. Difficile. Difficile de voir. Bon, on part 4, hein, on part pas 3 évidemment. Et oui, M4, elle est trop utilisée, mais c'est parce qu'elle est bonne. On est sage, on attend les mains croisées.
Oh, mais bien évidemment. Bien sûr. Dommage, on avait pris un bon départ. On aurait peut-être, peut-être pu accrocher la deuxième place. Le sous-virage à Tosa, avec une trajectoire absolument horrible. Ouais, il y a autre chose que BMW dans la vie, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, Aqua Minerali, ça passe. Alors que devant, il y a une bagarre pour la tête. Pas de la place pour tout le monde. J'ai pris la chicane, mais d'une manière absolument horrible. Ah, la M6, elle est sur Assetto Corsa. On peut aller faire un tour après, si vous voulez. Un virage qui se nomme au minéral, effectivement. Ah, les trois devant se battaient, mais ils sont partis là. Hein. Après, on va sur Pécard. Je vous explique pourquoi on fait d'abord Project Cars avant Dirt Rally, parce que Project Cars permet d'accueillir 25 pilotes ou plus. Donc on peut être autant qu'on veut parce qu'il y a plus de monde, ce qui est logique. Tandis que sur Dirt Rally, on ne peut être que 8. Donc ce serait dommage de priver les gens de pouvoir jouer s'ils ont Project Cars. Un trou terrible dans les freins. C'était atroce. Après cette course aussi, donc je vous ferai un petit tour avec la M6 GT3 pour ceux qui veulent la voir, vu que moi je l'ai en modé, bien évidemment, pas en officiel de chez Kounos, mais ah, évidemment. Toi aussi, lis le chat pendant que tu roules. Parce que oui, les lignes droites à Imola sont pas droites. Ce qui pose problème. Alors, grosse course, hein, grosse compétition devant. Ils sont partis derrière No Man's Land. Moi qui voulais des manches sprint pour éviter ce genre de choses.
désolé, on est un peu plus silencieux, évidemment. Dans ces conditions-là, évidemment, c'est plus difficile que de discuter avec ETS2 qui tourne derrière. Et vous êtes sages sur le chat, vous arrivez à discuter entre vous. Alors que moi je chasse une ouracane. J'avais vu une question. Maxou, tu sais ce qui est devenu Jean-Louis Moncey? Eh bien, Jean-Louis Moncey est toujours bien présent pourtant, mais tu n'as peut-être pas Canal+. Il est consultant chaque mercredi dans les spécialistes F1. Et il est surtout toujours présent sur le site Autoplus. Où il a quelques vidéos sur le net, notamment, où il présente les pré- et post-Grand Prix, avec une analyse à chaque fois. C'est toujours très agréable. Avec Géraldine, j'ai toujours oublié son nom. J'ai jamais retenu son nom plutôt, donc j'ai toujours oublié. Hein. Parlons français, parlons la France. Surpris de pas prendre une pénalité parce que j'étais très gourmand là. Est-ce que tu viendras à Clermont-Ferrand un jour? Ah, pour une visite de charade. Pourquoi pas? C'est pas prévu, mais bon. Le Wake Aspa, c'est le 6 mai. Ah merde, c'est un samedi, je viens de m'en rendre compte. Alerte chez McLaren. Tiens, s'il y a des anciens qui aiment bien Jean-Louis Moncey, ça va leur rappeler des souvenirs. Alerte chez Ferrari. Alors, vous ne le voyez pas avec la lune, mais j'ai une alerte de carburant qui vient de s'allumer. Mais bon, il reste 2 tours, donc pas de panique à bord. Ah, il est rédacteur en chef du magazine Autoplus. Effectivement, c'est possible. Je ne vais pas le confirmer, je ne suis pas au courant. Oui, le film Rush est excellent. D'ailleurs, j'ai envie de le revoir, rien que d'en parler.
et voir le musée Michelin, en effet. Alors on va inviter celui qui a posé la question sur le chat concernant l'affrontement Azerbaïdjan-Le Mans à aller voir les VOD parce qu'on en a déjà parlé en fait lors de la libre antenne tout à l'heure, donc voilà. Drapeau blanc. Drapeau blanc. Et on n'aura pas cherché le podium. La Huracan était plus rapide et son pilote était meilleur. On ne peut rien faire. Que ça a été en partie fait pour que Hülkenberg ne soit pas présent au Mans, c'est clair. Oh, et bah écoutez, finalement, hein, le podium qu'on n'allait pas avoir, il est peut-être chez nous finalement. Voilà, on va tout doucement aller chercher un podium. Son coup fait rire. La pression paye toujours. Moi, j'étais pas vraiment à la pression, j'étais un peu plus loin. C'est tellement facile de faire une erreur avec le Huracan, elle est très compliquée à piloter. Finito! Bah voilà. Et bien voilà, nous avons donc terminé 3ème de peu. Et on était en médium. Bon. Écoutez, on va quitter Assetto Corsa et on va lancer notre bon vieux projet car. Évidemment. Donc on était en 1.51, ça doit être dégueulasse comme chrono. Ah oui, la M6. Fallait que je vous montre la M6 avant. Vous avez une bonne mémoire. PMF. Est-ce qu'elle est dedans? Oui. Vous avez eu peur. On va sélectionner une piste pour la tester. Max, ou des nouvelles pour te voir jouer à iRacing? Oui, ça arrivera, Pastaga, d'ici quelques semaines. Parce que quand je vous ai dit le programme 2016, 2016 a commencé depuis 5 semaines, donc restez cool. Donc, ceux qui sont joueurs assez tôt, et qui sont joueurs Project Car surtout, eh bien, vous allez pouvoir switcher de jeu, et on va se retrouver d'ici quelques instants dans Project Cars. Salut Soso Poivre, merci d'être venu. Voilà, donc ça c'est la M6 GT3. Développée par Assetto Garage, mode payant. Ah, Veneno! Le pilote marseillais le plus rapide.
Elle, on peut pas me rejoindre avec la M6, dommage. Alors si on a eu des drops de FPS, c'est pas grave. Tu l'as payé? Oui, bien sûr. Oh, le sous-virage des enfers. Fabulous, pas obligé d'écrire en caps lock. Tu permets, je peux encore faire ce que je veux. Ah bah du coup, rebonsoir nos fly. Mes impressions. Alors je vais pas vous les donner parce qu'il y aura un mode à la mode sur cette voiture. Donc vous aurez toutes les impressions, parce que j'ai déjà tout dit, mais globalement, on peut mieux faire. Salut Wolfie! Je te demande souvent ton circuit préféré, Maxou, mais quel est celui que tu détestes le plus? Là, ce qui me vient à l'esprit, en circuit vraiment que je déteste... Bon, Hockenheim, j'ai jamais aimé Hockenheim. Le Hungaroring, j'ai pas trop aimé, pas toujours aimé non plus. Voilà, c'est des circuits que j'ai jamais trop appréciés. Eh oui, Pastor n'est plus là. Déçu, effectivement. Donc ouais, circuit que je déteste. J'aime pas Fuji non plus. Ah, Hockenheim, Fuji, j'aime pas ces circuits-là. Je suis pas fan. Pas fan du tout. Barcelone, je suis pas fan non plus. Mais détester, non, il n'y a pas de circuit que je déteste. Fondamentalement. Bon, voilà, vous avez voulu voir un petit peu la M6. Elle tourne pour votre plus grand bonheur. Oh, le t-shirt Tranquille Studio. Bah oui. Les bonnes références. J'ai déjà mis un t-shirt Hard Corner pour faire plaisir à Benzaï pendant la dernière diffusion du championnat de France Forza. Je compte bien mettre celui-là pour le prochain. Du drift, Maxou, ça te tente? Pas du tout. Ouais, le circuit du Hungaroring, je suis pas trop fan. Après, vraiment détester, non. Je suis pas fan du Paul Ricard non plus. C'est pas une piste qui m'excite beaucoup quand je dois attaquer. Ah oui, mais Hockenheim, le nouveau. Hockenheim, le vieux, était excellent. Mais le nouveau, il est chiant de mourir. Suzuka, difficile techniquement. En effet, ouais. Suzuka, c'est pas le plus simple, mais c'est un des plus beaux. Salut, Moustache. 1711. Le plus technique, c'est Monaco. Pas d'accord. Tu te débrouilles comment en drift? Je suis une merde. Sur Assetto, les pneus froids, ça pardonne moins que sur Pécard. Ouais. Zolder, tu kiffes? Oui, mais ça dépend. Zolder, j'aime bien avec des petites monoplaces.
Juste pour vous montrer un petit peu la M6, puisque certains demandaient. Silverstone, tu aimes? Bah, j'aimais bien le vieux. T'as fait du Restroom? Non, j'en ai pas fait ce soir. Je devais en faire, mais je sais pas si je vais en faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mod et si on doit jouer ensemble, ça risque d'être plus compliqué. Ah non, moi j'ai pas d'attirance ni de difficulté particulière pour ce qui est Monaco. Bon. Alors, on va quitter assez tôt et on va partir du côté de Project Cars.